acheté. David Sandona pour le résumé. Et justement, c'est Sedan qui attaque dès la 5e minute avec une frappe de Belhadj. Frappe qui tourne sans problème pour Teddy Richert, mais le ton est donné. Sedan veut absolument retrouver la confiance et la victoire. Des Sedanais, attention, qui vont pourtant se faire bousculer lors de ce début de match avec le jeune Julien Garcia qui va s'excentrer sur le côté droit. Il va se battre comme un beau diable pour essayer de centrer à Guiranendo, seul sur la ligne des 6 mètres et sans problème pour le Sénégalais qui ouvre la marque. À la 21e minute, tout seul Guiranendo sur la ligne des 6 mètres, mais apprécier le magnifique travail de Julien Garcia. Le centre est parfait, la tête l'est tout autant, 1-0, c'est très difficile pour le moral et ce sera très difficile pour Sedan de revenir. C'est le score à la pause avec Pascal Urano qui donne les consignes à ses joueurs pour essayer de leur demander de jouer la carte offensive au maximum. Et cela va peut-être payer avec Ducourtiou qui tente sa chance. La balle est contrée, mais sans problème pour Teddy Richert. Quelques secondes plus tard, Sedan continue de pousser avec un cafouillage dans la défense sochalienne. Tout seul, c'est Ducourtiou qui va se retrouver face à Richert. L'arrêt parfait du gardien sochalien qui demain fêtera ses 32 ans et qui fait un arrêt extraordinaire. À nouveau, 3 minutes plus tard, sur sa ligne, le ballon n'est pas rentré. Lachor, le capitaine, a beau demander le but, le ralenti est là pour le montrer. Le but n'est pas valable. Attention, Garcia qui va pousser. Il reste 3 minutes à jouer. Il a vu Jérôme Leroy à hauteur du point de pénalty. C'est un arrêt de Patrick Regnault, le gardien de Sedan. 1-0. Finale, Chalien qui sont très heureux dans le vestiaire et qui retrouvent la victoire. Ils aiment la Coupe de la Ligue.